les amis scorpions, je vais regarder, mais de toute façon, si vous avez suivi, vous savez que vous êtes le dernier signe pour vos guidances de ce mois de février. Merci à tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, les nouveaux abonnés, ceux qui m'ont fait confiance aussi pour les tirages personnels. Alors, on va regarder pour vous ces énergies, qu'est-ce qu'elles vont vous annoncer, bonnes, mauvaises, les possibilités qui vous seront donc données. Mais avant tout, ça va considérer aussi les ascendants et les signes lunaires. Allez le voir d'ailleurs, votre ascendant et votre signe lunaire, pour avoir un complément d'information par rapport à ces énergies de février. Donc on va d'abord énergiser votre signe. Pour cela, si vous n'avez pas l'habitude, détendez-vous, relaxez-vous, respirez, inspirez lentement et laissez le son du bol venir à vous. Ça pourra peut-être aussi rééquilibrer un nouveau chakra. C'est parti pour vous, pour ce mois de février, les poissons, et voir ce que ça va vous annoncer. Pour cela, on va commencer par le Bélin. Alors, regardez votre position par rapport à ces énergies pour ce mois de février, le relationnel. On pourra peut-être parler un petit peu d'amour, ça va peut-être vous parler aussi au niveau de votre côté sentimental, mais ça, nous allons le voir sur l'autre vidéo, hein, comme tous les autres signes. Et donc, niveau professionnel et au niveau financier aussi. C'est parti pour vous les scorpions, pour cette lecture de février. Nous avons les nouvelles, et bien on a un niveau de l'amour. Voilà. Donc bon, on va rester sur le plus simple. Les nouvelles qui peuvent vous arriver au niveau de l'amour, des belles choses, au niveau de l'amour. Mais aussi, l'amour, c'est ce que vous aimez, c'est des choses que vous aimez. Alors, on peut aimer son côté professionnel, dans ce cas-là, c'est des bonnes nouvelles qui peuvent vous arriver de ce côté-là. En tout cas, l'amour va vraiment être au centre de tout, au niveau général, bien sûr, l'amour au niveau général, au centre de tout pour ces énergies de ce mois de février, les nouvelles que vous pouvez attendre. Ce que vous aimez, ou carrément, l'amour, ça peut être au niveau relationnel aussi. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Donc, votre position pour ce mois de février.
au niveau relationnel, au niveau donc sentimental, au niveau pro, voyons voir son niveau professionnel et regardons aussi le côté matériel, le côté financier de ce mois. Alors, on a quand même, vous apparaissez sur la stérilité, des réflexions que vous vous faites. Alors, sur quel domaine, ça, je vous laisse bien sûr voir ce que vous vivez. Hein, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Et donc, automatiquement, ça peut être un domaine, que ce soit relationnel ou que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier. On parle quand même d'un recul, de réflexion. Alors, j'espère que c'est vous qui faites ce recul et que vous n'avez pas été projeté justement à vous réfugier avec vous-même suite à un événement. Hein. On va regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau du relationnel. Et là, donc, il est question de se projeter assez loin, hein, de découvrir des choses, découvrir certaines choses aussi, et d'aller se projeter un peu plus loin, de trouver justement ces solutions, de ne pas stagner sur des choses qui ont pu être difficiles au niveau relationnel, je reparle encore au niveau du sentimental. Alors, trouver les clés, trouver une solution. Alors, ça peut parler d'aller voir les choses plus loin, de se projeter plus loin, d'avoir cette longue vue, hein, de regarder ces choses un peu éloignées, le futur aussi, de voir ce qui peut se passer au niveau du futur et de vouloir vraiment trouver des solutions. Alors, par rapport à des rencontres, par rapport à des appuis que vous pourriez trouver, par rapport à des personnes qui sont quand même, c'est la découverte qui est l'issue peut-être possible de trouver les solutions adéquates. Donc, bon, on est quand même sur quelque chose qui est quand même, qui peut être quand même sympa. Il y a quelque chose qui va faire une ouverture. Vous allez pouvoir trouver une ouverture par rapport à donc ce relationnel. D'aller voir plus loin, comme je vous ai dit, de passer au-dessus des blocages, l'évolution qui peut se faire à un moment donné, de trouver la clé. C'est par rapport à une réflexion que vous vous faites. Hein. Alors, au niveau du professionnel, on a le vol et la perte, et nous avons le trafic. Alors, pour certains des signes, bien sûr pas tous, alors que vous travaillez aussi bien dans le professionnel, dans le domaine hospitalier, que ce soit au niveau tout ce qui est aussi commerce, vous pourriez avoir soit une perte au niveau du travail, soit une perte dans le travail que vous faites, donc c'est peut-être quelque chose qui ne va pas se faire. On peut sentir un blocage. Au niveau de la communication, à un moment donné, eh ben, c'est d'essayer de se sortir de quelque chose parce que bon, vous sentez que les choses sont bloquées, complètes, et donc à un moment donné, vous êtes sur ce sentiment de perte. Mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment aller, voilà, donc on a quand même cette réflexion qui est là, de voir un peu plus loin comment vous pourriez sortir d'une problématique au niveau du pro. Il est quand même question, là, vraiment, pour ceux qui sont dans ce que je vous ai dit, hein, au niveau du commerce, au niveau hospitalier, de se sentir un petit peu perdu par rapport à ça, au niveau du boulot. Alors peut-être pas avoir, malheureusement, ce qui se passe actuellement, hein, les avancées totales, hein, on se sent bloqué, on voit pas, on a du mal à pouvoir. Ça peut signifier la perte d'un travail, hein, pour certains, hein, c'est difficile. Donc on peut vous annoncer à un moment donné qu'effectivement, bah, ça coince et que là, ça va être dur, quoi. Attention à ceux qui travaillent à un moment donné dans ce qui est commerce, et ça peut être une perte, on va voir au niveau des finances. Mais ça peut être aussi une perte par rapport à ça, hein, au niveau des finances, un projet qui ne se fait pas, un blocage. Il va falloir trouver les moyens de se sortir de ça. C'est un contrôle qui est difficile, le manque de contrôle au niveau de la communication, au niveau des messages qui peuvent vous être donnés. Si vous cherchez, il va falloir voir aussi s'il y a une affaire qui peut vous tourner en avantage ou en désavantage. Si vos recherches d'emploi sont bien dirigées, pour ceux qui sont en contrat ou qui doivent faire avancer des contrats, est-ce qu'effectivement ça peut tourner à votre avantage ou à votre désavantage? Et attention, avec celle-là, la bonne perte, ça peut être plus quelque chose qui soit à votre désavantage. Au niveau du boulot, on peut vous promettre quelque chose, on ne va pas vous le donner. Vous pouvez espérer, peut-être croire que vous allez avoir un emploi et on va vous dire, ah ben non, on ne vous prend pas. Vous voyez, il y a plusieurs solutions, hein, au niveau de cela. Donc, on va regarder un petit peu maintenant au niveau du financier. On va se projeter un peu plus loin, donc beaucoup de réflexion par rapport à ça.
Au niveau financier, bon, c'est pas trop grave, mais il y a peut-être des dépenses qui vont être obligées d'arriver. Il y a quelque chose sur quoi vous risquez de tomber et il va falloir le régler. Alors il y a quand même la réussite de la situation, encore une fois. Il va falloir y payer, donc il n'y a pas le choix. Et donc, mais tout ce qui est, peut y avoir une mauvaise nouvelle qui vous arrive au mois de février, mais vous aurez la réussite dessus. Voilà. Si vous aviez des problèmes au niveau des finances, alors ça peut être de n'importe quel ordre, hein, n'importe quel ordre. De l'argent qu'on vous doit, des choses que vous avez bataillé pour trouver la solution. On pourrait peut-être aussi, d'ailleurs, pour certains ou certaines d'entre vous, vous redonner de l'argent par rapport à quelque chose qui est, par rapport à quelque chose qui était difficile. Alors, regardez un petit peu en détail par rapport au tarot de Marseille, ce qu'il peut nous indiquer. Pour les scorpions, le complément de ces énergies pour ce mois de février. Complément des énergies pour ce mois de février. Je vous répète, attention au niveau pro, hein, au niveau professionnel. Si ce n'est pas une perte d'emploi, ça peut être pour certains des mauvaises paroles, hein, des fausses promesses. En tout cas, il y a une situation qui vous porte à aller voir plus loin. Des scorpions. On a le monde à l'envers, nous avons le soleil. J'ai envie de vous dire qu'on a le yin et le yang. Bon, l'éclaircissement. Qu'est-ce que vous voulez éclaircir à un moment donné? Vos avancées. Vous voulez vraiment que les choses arrivent vraiment à une période chaleureuse. Vous voulez vraiment que cela arrive vers vous, que vous soyez, que les choses soient plus douces à un moment donné, de retrouver un certain succès. Par rapport au domaine hein, qui vous intéresse. Hein. Vous ne vivez pas les choses au même moment, je vous le redis. Donc, prenez ce qui résonne pour vous surtout. Et donc, retrouver un succès, que les choses s'éclaircissent, qui va être vraiment le plus important, dans quelque chose qui peut vraiment ressembler à un certain blocage. Les choses où vous avez du mal à pouvoir avancer, cette impossibilité de pouvoir avoir ce monde pour vous. Cette impossibilité, à un moment donné, cet enfermement que vous pouvez ressentir, ou ce manque d'épanouissement. Vous estimez, vous aimeriez d'ailleurs justement que ça, cette belle chaleur, ce succès revienne vers vous. En tout cas, vous allez, les scorpions, faire ce qu'il faut pour renverser cette situation, vous sortir peut-être d'un enfermement personnel, mais sortir aussi de pouvoir vous épanouir à un moment donné. Hein, il y a peut-être une phase qui est difficile et vous recherchez cet épanouissement. Vous recherchez à que ça s'éclaire, vous arriviez à faire les choses vraiment bien pour que ça revienne vers vous. Scorpion, ascendant scorpion, lunaire en scorpion pour votre tirage. On complète ces énergies générales. De février. On a l'arcane sans nom, nous avons le chariot et nous avons le diable. Oula, ouf, ouloulouloulou, les scorpions. Bon, mais ben, il y a quelque chose, hein, il va falloir vraiment mettre fin à quelque chose, vous n'avez pas le choix. On est sur un nouveau démarrage, on est sur une nouvelle directive, alors que ce soit au niveau du pro, relationnel, sentimental, on y verra après sur le tirage. Mais là, il est vraiment question de balayer les choses du passé, balayer les choses difficiles, les choses qui ont été marquées, les choses où vous avez été marquées et tout. Il va vraiment falloir rayer ça une bonne fois pour toutes pour pouvoir trouver les voies, les issues, les voies de sortie pour justement avoir, comme je vous ai dit, l'éclaircissement des choses, comment avancer une bonne fois pour toutes. Parce qu'en plus, on a l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle regarde hein, sans vergogne, elle regarde le chariot qui est renversé. Et ce chariot de renversé, attention, manque de contrôle par rapport à vos prises de décision. Peut-être que vous avez, attention à l'agressivité aussi, un manque de contrôle de vos décisions, je répète, et qui peuvent pousser à rayer un peu tout ça à un moment donné, à oublier cela, peut-être que vous avez fait des erreurs. Et que bah malheureusement, les erreurs étant faites, à un moment donné, il suffit simplement
de tourner la page, elles ne sont pas récupérables et il va bien falloir que vous passiez le cap de cela. Il y a quand même ce sentiment, il n'y a pas de succès, hein, donc c'est un nouveau domaine, hein, vous voyez dans quel domaine ça pourrait vous résonner pour vous. Hein. On a quand même ce diable renversé qui est juste à côté, lui par contre, il va vous parler sur pas mal de choses. Alors, d'être révolté par exemple par rapport à une situation, on parlait de perte d'emploi tout à l'heure pour certains, ou de choses qui ne sont pas bonnes par rapport au relationnel, de voir les choses plus loin. Alors, si c'est au niveau du professionnel, il est question de rayer malheureusement tout ça une bonne fois pour toutes, d'essayer de ne plus y penser et de ne plus être dans la colère, dans cette révolte. Peut-être vous sentez une certaine manipulation pour d'autres sujets, et sortir un petit peu de tout ça, de cette colère que vous pourriez garder en vous, de ces choses, de ce succès qui n'arrive pas. Mais là, il va falloir vraiment balayer tout ça une bonne fois pour toutes pour ce mois de février pour avancer. Qu'est-ce que ça va nous dire avec l'oracle G? Allez, pour vous, les signes des Scorpions. Ah, peut-être certains qui vont tout bonnement mettre un terme à quelque chose, hein. Par rapport à un travail, par rapport à des personnes. Tout envoyé va le dinguer. Ouais, en plus, on a la carte de l'automne qui est là, on a la fin de quelque chose qui a pris du temps. On prend peut-être du temps aussi pour mettre fin à quelque chose. Il y a l'histoire de la perte, on a ici la carte de l'automne, on a l'escargot, c'est quelque chose peut-être qui durait depuis longtemps. Vous allez peut-être prendre une sacrée décision là sur le mois de février, hein, les Scorpions. Une grosse décision va arriver sur ce mois de février. Allez, pour les Scorpions. Voilà, une question de retrouver l'équilibre, une question de tout rayer pour retrouver un certain équilibre. Oula, ah oui, il y a de la colère qui peut être faite et montée contre certaines personnes, des choses qu'on vous a fait à l'envers. Une question d'écriture, d'échanger de messages. Vous allez régler des comptes, les Scorpions. Il y a des comptes qui vont être réglés ce mois-ci. Alors, je pense que vous allez régler vos comptes, alors que vous subissiez quelque chose, ou que c'est vous qui décidez de mettre un terme à quelque chose. En attendant, voilà, ça va y aller, ça va y aller de bon poil. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire. La manipulation, attention pour ceux qui sont manipulés, il va falloir quitter cette situation. Hein. Absolument. Pour retrouver un certain équilibre, il va falloir rayer ça une bonne fois pour toutes de votre vie pour pouvoir retourner sur un équilibre. Attention au niveau de la justice aussi. Attention au niveau de la justice, on peut essayer de vous la faire à l'envers. Donc regardez bien d'où peuvent provenir ces attaques, hein, ces choses-là qui peuvent vous monter dans une certaine colère, sur quelque chose que vous n'allez pas accepter. Vous voulez mettre un terme au niveau d'ailleurs juridique. Hein, il se peut bien que ça finisse pour certains au niveau d'un tribunal. Oula, c'est costaud quand même là. Hein. Regardez. Complément avec le zen. Il va vous falloir du courage, les scorpions, sur ce mois de février. Mais bon, vous êtes un signe qui aimait les défis, hein, les scorpions. Donc, il est quand même question de tirer les marrons, voilà. Les choses au clair, on va dire. Tirer les marrons du feu, j'allais dire. Allez, vos possibilités de transformer quelque chose, voilà, hein, c'est de vous élever par rapport à ça et de pouvoir réavancer une bonne fois pour toutes. Vous allez mettre un terme à quelque chose sur ce mois de février. Quelque chose qui vous prend bien la tête. Liquider une situation pour pouvoir repartir. On a l'abondance. Voilà, vous ne voulez plus vous prendre la tête. On a la morale. Ça bataille depuis longtemps. Vous en avez ras-le-bol. Et vous voulez couper court à tout ça et reprendre confiance. Donc, ceux qui ont été manipulés depuis un moment, vous allez rayer tout ça. Ça peut même aller jusqu'au tribunal. C'est de retrouver aussi l'équilibre sur les choses difficiles, les choses qui ont été ingurgitées depuis un petit moment.
Et là, vous allez vraiment vous mettre dans un état de combat, hein. C'est-à-dire que, attention, hein, vous n'allez pas vous laisser faire. Pour ceux qui sont contre vous, là, ça risque d'être chaud quand même, hein. Il y a quand même un manque de contrôle. Alors, ça peut être lors d'échanges, hein, au niveau de messages. C'est régler ses comptes. Voilà, j'ai envie de vous dire, vous avez envie de régler vos comptes. Tout raser une bonne fois pour toutes, retrouver un équilibre pour donner confiance une bonne fois pour toutes, et puis de ne plus subir les manipulations de certaines personnes. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour votre général, mes chers amis scorpions. Allez, je vais en tirer quand même, je vais regarder la coupe au niveau du bénin. Moi, c'est vraiment ce qui m'arrive. Alors, prenez le domaine, hein, qui vous correspond surtout, même si on va voir votre sentimental juste après sur une autre vidéo. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que, voilà, vous allez mettre un coup dans la fourmilière. Il y a vraiment de la révolte, il y a quelque chose qui va vous faire sortir de vos gonds. On a le bonheur et la beauté. Voilà, vous voulez quelque chose de plus léger, hein, vous voulez avancer sur quelque chose de plus léger. C'est pour ça que vous risquez vraiment d'éclaircir et de faire ce qu'il faut sur ce mois de février pour repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà, mes chers scorpions, ce que j'avais à vous dire pour votre général. Alors, bien sûr, ça parle aussi du pro, hein, du pro, du relationnel, de l'argent, sur ces choses difficiles, sur un des domaines difficiles que vous pourriez rencontrer. Bon, je n'ai pas fini avec vous, hein, je vais vous retrouver pour votre côté sentimental sur l'autre vidéo. En attendant, merci beaucoup, vous pouvez toujours aimer cette vidéo si ça vous a plu, me mettre un petit j'aime. Même si vous m'envoyez un message, je réponds de toute façon. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager ma chaîne, vous pouvez vous abonner, comme ça vous pouvez me retrouver sur YouTube le dimanche à 10 h du matin en live. Vous aurez une alerte si vous activez la cloche, bien sûr. Parce que si vous ne l'activez pas, vous ne pourrez pas le savoir. Mais bon, allez, je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui désirent suivre cette aventure, eh bien, je vous donne tout de suite rendez-vous sur votre côté sentimental. Salut les scorpions!